gouvernement de transition a décidé de la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont le destin est malheureusement confié à des pantins confondant la scène internationale à la scène de théâtre. C'est un extrait du communiqué du gouvernement du Mali à l'issue des affrontements entre la République du Mali et le groupe terroriste à la frontière de Tinga-Ouatene, une frontière séparant le Mali et l'Algérie. Et deux jours après le Mali, c'est au tour de la République du Niger de réagir justement suite à cet affrontement entre le groupe terroriste, entre les groupes terroristes d'une part et le Mali soutenu également par le groupe Wagner d'autre part. Et on s'interroge justement, les deux pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel arguent un fait, l'Ukraine soutiendrait les forces terroristes à la frontière justement évoquée, c'est-à-dire Tinga-Ouatene. Madame, monsieur, bienvenue dans cet entretien avec le professeur Chanda Tomé. Nous nous interrogeons ce matin sur cette crise que ces ruptures diplomatiques entre les deux pays de l'Alliance des États du Sahel d'une part et l'Ukraine d'autre part. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, on va certainement revenir sur cette attitude paradoxale de l'Ukraine vis-à-vis avec le terrorisme international. Mais d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une antériorité entre le Mali, d'abord, puisque c'est le Mali qui a réagi en premier, entre le Mali et l'Ukraine? Écoutez, rien n'est ni extraordinaire, ni nouveau, ni original dans l'ordonnancement des crises sur la scène internationale. Vous savez, il y a en permanence ce qu'on pourrait appeler un terrorisme des États, les uns envers les autres, les uns contre les autres, ou les uns avec les autres. Je vais être assez tranchant. Vous savez, il y a environ 50 ans, je commençais à peine mes études internationales, ma formation politique et progressiste. J'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué, « Les putains de l'impérialisme ». Ça traitait en réalité de toutes sortes d'orchestrations de la subversion par la CIA et les agences de malfaisance occidentales dans les Caraïbes et en Amérique latine. Je viens de commencer un livre qui reprend à peu près le même thème, le même nom d'ailleurs, mais cette fois-ci, le titre, c'est « Les putains du monde libre ».« Les putains du monde libre ». Aux sources des malheurs des peuples. Le livre va sortir en janvier. Et croyez-moi, je vais l'écrire très vite. La situation que vous décrivez, que l'on dépeint aujourd'hui, n'est pas loin de la même histoire, des mêmes trafics, des mêmes orchestrations de désordre, de crimes. Crimes contre l'humanité, c'est petit. Crimes contre les peuples, oui. Parce que ce n'est pas simplement les crimes. Un crime contre le peuple du Mali ou contre les peuples africains. Ce sont des crimes contre les peuples. Vous avez une expérience en Irak, en Libye. Vous avez en Ukraine en ce moment. Et vous avez même au Yémen. Vous avez même au Soudan. Je crains de vous dire que bientôt, on vous dira que l'Ukraine a attaqué dans le nord-ouest du Cameroun ou dans le sud-ouest. Ce sera encore l'Ukraine. On vous dira que l'Ukraine a attaqué au nord du Cameroun. Ce sera plus Boko Haram. Ce sera l'Ukraine. En fait, il suffit simplement que l'on déplace les centres d'intérêt et les zones de confrontation et on retrouve exactement les mêmes acteurs avec les mêmes manipulations. Au gré des fluctuations de leurs forces,
qui entraîne par ricochet une demande nouvelle de vengeance, de repositionnement des crises ou des zones de conflit. Quand vous parlez d'antécédents, quel antécédent voulez-vous ? Demandez à un Africain, à un jeune Africain, l'Ukraine c'est quoi en Afrique ? On ne connaît pas. L'Ukraine c'est qui déjà ? On ne connaît pas. Qui a entendu parler de l'Ukraine avant la guerre là ? Presque pas. L'Ukraine, on savait que c'était un État, une composante fédérée de l'ensemble fédéral de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et qu'en 1985, avec la désagrégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, due à la volonté de Gorbatchev, en réalité, de recentrer, de repositionner la Russie par rapport au reste du monde et au regard de l'évolution de son économie et de ses exigences géostratégiques, ce qui d'ailleurs, on considère aujourd'hui que c'était une catastrophe, une erreur terrible, Gorbatchev est inexcusable dans l'histoire. On parlera de « il a libéré les peuples », mais attendez, la France a-t-elle libéré Mayotte ? La France a-t-elle libéré les îles, la Polynésie, tout ça, la Réunion, ainsi de suite ? Que font les États-Unis aux Açores ? Par exemple, ainsi de suite, tous ces pays coloniaux là ont maintenu des bastions néocoloniaux, hein ? Ou coloniaux, ou néocoloniaux, dont en réalité, ce que fit Gorbatchev, c'est une catastrophe. Le monde entier paye le prix jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que nous retrouvons en fait au Mali. Il n'y a pas besoin d'Ukraine. L'Ukraine, c'est rien du tout. C'est une pièce de théâtre mal montée. Ce qui s'est passé au Mali, au nord du Mali, c'est une construction revancharde de la France et des États-Unis, des Occidentaux. L'Ukraine n'a absolument pas les moyens de mener ce genre d'opération. Et croyez-moi, je pense que les conséquences, ou en réalité des leçons, sont en train d'être tirées. Si vous parlez d'antécédents, vous recherchez des antécédents, ben la seule chose que je peux vous dire, c'est les antécédents, c'est dans la lutte des peuples, c'est dans la lutte du monde progressiste contre un axe réel cette fois-ci, pas le genre d'axe de mal décrit aux États-Unis, mais organisé, orchestré, sur la base des demandes de vengeance, de repositionnement dans les zones de conflit, en fonction de l'évolution de la situation. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, les États-Unis et la France, pièce maîtresse, n'est-ce pas, dans le dispositif occidental et néo-impérialiste, sont très mal en point en Afrique, et là où on leur a dit de partir, ils veulent revenir par la fenêtre. Mais simplement, ce que je leur ai dit, c'est que faut pas en vouloir, n'est-ce pas, aux États. C'est de bon ton que la France, que les États-Unis mènent des actions pour faire triompher, promouvoir, préserver leurs intérêts nationaux partout. Il appartient aux autres États et sans doute aux concurrents, à leurs opposants, à leurs contradicteurs, bien de prendre pied, de les contrer et de faire exactement la même chose. Or, dans le cas d'espèce, il me semble en réalité que la France et les États-Unis sont complètement en perdition et ont trouvé à créer de nouvelles zones de tension, à gifler le Mali, le Niger, le Burkina, en utilisant une main sale, une main impure, une main maudite, une main en réalité téléguidée, télécommandée, qu'on appelle l'Ukraine. C'est tout. Ne cherchez pas des antécédents. Antécédents sur quoi ? Est-ce qu'ils étaient mariés avant ? Est-ce qu'ils travaillaient avant ? Prenez quel est le niveau des échanges commerciaux entre l'Ukraine et le Mali ? Zéro. Le niveau des échanges entre l'Ukraine et le Cameroun et le Tchad et tout ? Zéro. À la limite, on sait qu'il y a des flux qui, en réalité, sont centrés sur quelques distributions de céréales, quelques commerces dans ce sens-là, mais sinon, l'Ukraine, c'est zéro sur la carte géopolitique par rapport à l'ordonnancement des rapports de force en Afrique. Il faut plutôt parler quels sont les antécédents, quelles sont les causes,
quelles sont les motivations de ce qui est arrivé au Mali, qui en réalité constitue une première loupe, grandeur nature, de tentative de vengeance des États-Unis et de la France, parce qu'ils ont été boutés dehors. Ils sont boutés dehors par le Mali, le Niger, donc ils sont en train de créer une sorte de tension au sein des pays membres de l'AES. C'est ce que vous voulez dire en gros? Bah, attendez, ils créent une tension. Non, ce n'est pas une tension, c'est la guerre. C'est une déclaration de guerre, en réalité. Ces pays sont engagés dans une déclaration de guerre, malheureusement, avec l'appui ou le soutien logistique par des bases de départ de certains pays ou de certains dirigeants africains, à l'instar de Ouattara de Côte d'Ivoire, du président du Bénin, ainsi de suite. Si ce n'est pas fortuit tout ça, si vous voulez, on trouvera toujours dans votre famille un traître. Ça a toujours existé. Admika Cabral avait dit, quelle que soit la main, n'est-ce pas, qui m'abattra, ce sera une main teintée d'impérialisme. Ça, c'était un testament terrible. Lumumba l'a dit, Sankara l'a dit, j'irai attendre comparé au ciel, mais je saurai exactement d'où est venue ma mort, parce que je sais déjà d'où vient la menace. Voilà. Pour ça, avant de vous poser la prochaine question, je vous relance avec cet extrait du porte-parole du service du renseignement militaire ukrainien, et même pour ceux qui nous regardent. Les rebelles ont reçu les données nécessaires qui leur ont permis de mener à bien une opération contre les Russes auteurs de crimes de guerre. Cela a été observé par le monde entier. Bien entendu, nous ne divulguerons pas les détails. Ce sont les propos d'André Youssouf, qui est porte-parole du service du renseignement militaire. Pour ça, comment comprendre ce rapprochement entre les rebelles et l'Ukraine? D'abord, écoutez, il n'y a jamais existé de rebelles. Vous comprenez? Il existe des mouvements de libération. L'appellation rebelle, en réalité, il renvoie à des mercenaires. Hein, tout comme... Donc un vrai groupe terroriste. Bien sûr. Tout comme en Angola, Savimbi, ce n'était pas un mouvement de résistance, ce n'était pas un mouvement rebelle. C'était le représentant d'une constellation de forces mercenarisées. Il y a des mercenaires, n'est-ce pas, qui ont été créés dans toute la bande sahélo-sahélienne et qui sont entretenus aujourd'hui, qui continuent d'être entretenus. Ces mercenaires ont été créés. Mercenaires, c'est pas simplement la peau blanche, si vous voulez. C'est tout ce qui est utilisé et commandité et contre une situation quelconque que l'on n'accepte pas, que l'on conteste et que l'on veut renverser. Et dans ce contexte-là, un mercenaire, c'est pas quelqu'un qui a des intérêts idéologiques ou politiques, si vous voulez. C'est quelqu'un qu'on paye pour commettre certains actes, pour poser des actes, pour commettre des crimes, pour s'attaquer à une situation précise. C'est ça, c'est d'ailleurs ce que... C'est ainsi. Vous savez, pendant longtemps, la définition de mercenaires dans le droit international a été un très 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 gros problème à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, finalement, les pays africains, latino-américains ont réussi à imposer en réalité la définition qui prenait en compte le fait que ce n'était pas des individus qui avaient un intérêt national précis dans une situation, c'était des individus qui avaient pour seul intérêt l'argent, qui étaient parfois même drogués, alimentés par des forces obscures et qui, dans beaucoup de cas, William Colby, l'ancien directeur général, l'ancien directeur de la CIA, l'a reconnu dans un livre, même dans son témoignage au Congrès américain, tout ce qu'ils ont fait en Amérique latine, dans les Caraïbes, ainsi de suite. Ce sont des mercenaires, c'est pas des rebelles, si vous voulez. Dans la bande sahélo-sahélienne en ce moment, vous avez un positionnement, pas simplement des mercenaires qui résultent de bandes armées qu'on a recrutées, qu'on a organisées, formées et équipées, mais avec effectivement des conseillers militaires américains, belges, allemands, suédois, français, ainsi de suite, toute la pléiade de la saleté de l'OTAN
Vous avez tout ça en ce moment. Et c'est de cela qu'il s'agit en ce moment. C'est la guerre. Mais simplement, je vais vous dire, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que finalement, les masques tombent. Et les pays africains qui avaient pris quelques libertés à recevoir des individus qu'on appelait ambassadeurs de l'Ukraine ou envoyés de l'Ukraine vont très vite maintenant se ressaisir. Si vous voulez, nous sommes exactement revenus en 1960, à l'époque où on menait encore une guerre, une vraie guerre de libération et où quelques États effectivement indépendants qui essayaient, qui tentaient d'adopter une ligne progressiste et panafricaniste, étaient attaqués par des hordes de mercenaires. Lumumba a été assassiné par des mercenaires, diligentés par la CIA, le Congo belge et la France, si vous voulez. Aujourd'hui, ce sont ces bandes-là, on est en train d'essayer de les recréer, parce que, ne vous y trompez pas, nous sommes à l'orée de la reconstitution d'un axe effectivement progressiste en Afrique, dont les États de l'Alliance du Sahel, la Confédération des États du Sahel, semblent, en mon sens aujourd'hui, servir de tête de pont, de pôle central, de démarrage, de construction, de viabilisation, de mobilisation et de promotion. Et vous ne voulez quand même pas que les pays impérialistes, colonialistes, qui n'ont jamais quitté cette mentalité et qui continuent à penser que l'Afrique, c'est une terre de ressources qu'on va exploiter, peuplée de sauvages et de nègres, ou alors de basanés un peu au nord, leur appartient. Souvenez-vous, Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui disait « Nous ne quitterons jamais l'Algérie ». Ça, c'est très important. L'Algérie est française, elle le restera. Souvenez-vous, beaucoup d'autres discours, n'est-ce pas, dans le même ton, Macron lui-même, son premier voyage en Afrique, c'est au Mali, il parle au chef d'État africain comme s'il parlait à des écoliers. Souvenez-vous encore récemment, quand on lui demande de fermer son histoire d'ambassade au Niger, il dit « nous on y reste, on y est, on y reste ». Mais simplement, il a vu ce que ça coûtait. Et on a dit, c'est quand même notre terre ici, on a coupé la lumière, coupé l'eau, l'ambassadeur s'est retrouvé prisonnier, n'est-ce pas, dans l'enceinte de l'ambassade, il a été obligé de partir. Vous savez, ce sont le genre de choses qu'ils n'excusent pas. Ils ne vont pas le laisser, ça va être extrêmement dur. Ils vont liquider beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, au passage. Ça, il faut s'y attendre. Toutes les élites africaines aujourd'hui qui montent le raisonnement, la promotion d'un certain panafricanisme vont être éliminées. Et ce qui m'inquiète, c'est que vous avez là des individus à l'instar de Patrice Talon, de Ouattara, qui jouent avec le feu, si vous voulez. Et ça, c'est complètement inacceptable. Donc, je peux vous dire tout de suite, je vous le dis fermement, la prochaine élection à la tête de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, sera cruciale, parce qu'il faudra décider, avec cette élection, qui on met. Si on met un pantin de l'impérialisme qui va nous ramener en arrière, qui va justement servir de passe-droit, de matelas, pour commanditer des situations telles que l'on a vu, des attaques des États au Mali, hein, ou encore au Niger, ou alors on va mettre quelqu'un qui va assurer la renaissance d'un axe effectivement progressiste. Et voilà le moment où on regrette des gens comme Laurent Gbagbo, avec la bêtise à l'époque, parce que ou encore Alpha Condé, ils ont beaucoup dessus, parce que à l'époque on avait placé beaucoup d'espoir en ces gens-là, mais après ils se sont comportés exactement comme de piètres dictateurs et ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils représentaient, parce que c'est des gens qui quand même moulé dans un certain progressisme, dans le syndicalisme panafricaniste, mais par la suite, arrivé au pouvoir, l'autre Gbagbo a versé dans l'ostracisme ethnique contre les Diola, ça nous a donné la crise de 2011, n'est-ce pas, et puis beaucoup de morts, Condé a versé dans les révisions constitutionnelles alambiquées et une dictature sanguinaire,
Ça nous a donné son exil en Turquie et puis sa banalisation dans l'histoire. Nous sommes vraiment à la recherche aujourd'hui de leaders africains qui puissent faire face à cette situation, qui puissent nous permettre de mieux prendre en charge ce qui monte, n'est-ce pas, des couches populaires fortes, pas intellectuelles, laisser l'académisme, mais des couches populaires vraiment fortes. L'Afrique est en quête d'une nouvelle dignité. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas parler de régime militaire. Les Occidentaux continuent à parler de régime militaire. On parle de junte et tout. Non, ne regardez pas ça. Junte, machin, en France, c'est quoi? C'est une junte. Puisqu'en réalité, Macron, il se lève un matin, il dissout l'Assemblée. Le parti qui a gagné les élections, n'est-ce pas, et les européennes, et qui a plus de 120-140 députés, ne se retrouve même pas à l'Assemblée nationale. Après une élection où il a dit « Ah oui, mais écoutez, je repars vers le peuple », il dit « Je nomme le Premier ministre que je veux ». C'est quoi? On est où? C'est pas une gêne? C'est quoi? Vous avez l'autre aux États-Unis qui dit « C'est moi ou la guerre ?» Donald Trump, on est où là? C'est quoi? C'est pas une gêne? C'est quoi? Et il faut me dire ce que c'est. Ce qui se passe en Grande-Bretagne maintenant, c'est quoi? Elon Musk a dit que c'est la guerre civile, mais c'est la guerre civile, et c'est pour cela que je vous dis non. Ce que nous avons à faire, ce qui s'est passé au Mali est une sonnette d'alarme en réalité. Il faut très bien comprendre. On va avoir les pires problèmes du monde. Et j'espère que vous comprenez maintenant que ce n'est pas une surprise. Si chaque jour on vous dit, on a découvert le pétrole au Niger en quantité, on a découvert le pétrole au Mali en quantité, l'uranium au Cameroun en quantité, le Cameroun à lui seul va mettre en route d'ici le 2030 au moins 20 projets miniers majeurs. Pourquoi? Ces projets n'ont pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'exploitation avant, de mise en valeur. Ah ben, c'était simplement parce que les pressions néocoloniales ainsi de suite, en fait, pendant longtemps, ces pays ont... C'est un peu comme si vous avez beaucoup de choses, vous gardez d'autres en réserve, vous allez les exploiter au fur et à mesure que vous aurez besoin. Ces pays nous ont mystifiés, nous ont éteints complètement, nous ont fait avoir des lois et des normes constitutionnelles complètement à l'envers de ce que nous de ce dont nous avions besoin pour notre développement. Et nous sommes devenus un vivier naturel pour eux, n'est-ce pas, une réserve de ressources qu'ils allaient à chaque moment, quand ça leur plairait. Ah, on a découvert le pétrole au Congo. Ah, on a découvert notre gisement au Cameroun. Ah, le fer, ah, l'aluminium. Pourquoi est-ce que les gisements, par exemple au Cameroun de Fongo-Tongon, ou encore au nord d'aluminium, n'ont pas été exploités depuis? Est-ce que c'est seulement aujourd'hui qu'on sait qu'il y avait le fer en Balam? Est-ce qu'on a manqué les moyens de les exploiter? On a même l'uranium au Cameroun. Pourquoi tout ça n'a pas été fait? Pourquoi entre Douala et Yaoundé, il n'y a jamais eu de vrai chemin de fer? Entre Douala et Ngamdere et Garoua, pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais eu de véritable autoroute entre Douala et Yaoundé pour aller vers le port central? Pourquoi? Pourquoi les pays de l'Afrique centrale ne sont pas reliés par des autoroutes? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ces pays n'ont pas eu intérêt à ce que ce soit ainsi et ils nous ont maintenus un peu comme on appuierait la tête de quelqu'un dans la piscine, tu ne la sors pas. Et on va sortir au fur et à mesure le côté qu'on veut. Un cheveu, deux cheveux, un œil, une oreille. Voilà la réalité. Or, avec une brutalité qui correspond, n'est-ce pas, à l'ampleur du défi historique, vous avez une émergence, l'émergence d'une conscience africaine et même panafricaine qui, en réalité, s'est exprimée de manière brutale au Burkina, au Mali et au Niger. Et ça les surprend aujourd'hui, et ils ont décidé, ces pays ont décidé, de répondre par les armes. Vous allez entendre demain, l'objectif, dès le début, était la partition du Mali. Ça, ils n'ont pas réussi. Ouais. Ça, c'est très... Ils voulaient la partition du Mali. Pendant longtemps, la France a reçu, Paris a été le terrain des négociations avec ce qu'on appelait les mouvements de l'Azawad, ainsi de suite. C'était pour réfléchir. Ils ont essayé de convaincre les Maliens qu'il fallait faire un fédéralisme. En fait, une partition du pays. Les Maliens ont vu clair. Ils ont dit non. Et ce que dit la Russie aujourd'hui est effectivement clair. Nous n'avons jamais fait du mal à ces pays-là. Il n'y a pas de raison que nous ne traitions pas avec eux aujourd'hui sur une base complètement différente. Donc,
Faites très attention. Ce qui s'est passé au Mali et ce qui se joue. Vous savez, à l'époque, Nyerere avait dit au Congo se joue le destin de l'Afrique. À cause des immenses richesses, on disait du Congo que c'était un scandale. Scandale géologique. Géologique. Mais c'est toute l'Afrique qui était un scandale géologique. Et il y a un élément important qu'il faut prendre en considération. Il ne faut jamais penser que ni l'Europe ni les États-Unis, non. L'Europe a même certainement, l'Europe, les États-Unis et la Russie, ont plus de ressources que l'Afrique. Mais qui sont pour la plupart en cours, en voie d'épuisement. Voilà le vrai problème. Alors qu'en Afrique, c'est simplement, on commence à peine l'exploitation. Voilà la réalité. Donc, c'est cette marge-là qu'il faut prendre en considération et c'est pour cela qu'on est important. On est important parce qu'on est plus riche. Non, si vous voulez, je ne veux pas rentrer à des versets bibliques, je ne crois pas beaucoup à toutes ces conneries-là, tout ce que Dieu fait, bon, des choses comme ça. Non, mais simplement, en réfléchissant, nous sommes bien sur la même planète. Hein, et ce n'est pas étonnant qu'on découvre des gisements importants de pétrole en Guinée équatoriale et pas au Gabon. Ou quand on découvre des gisements importants en Centrafrique ou au nord du Cameroun et pas au Tchad. Hein? Pourquoi, posez-vous la question, pendant longtemps, on a dit que la Guinée équatoriale, c'était une petite île pauvre, pendant qu'à côté, le Gabon et le Nigeria, qui sont exactement sur la même bande géologique, produisaient beaucoup de pétrole. Ah ben écoutez, les Occidentaux, les colons et les impérialistes s'entendent. On prend d'abord ici, on épuise là, on va recommencer là. En attendant, on fait tout pour les convaincre que non, faut pas toucher. Ou même d'ailleurs, il n'y a rien. Attendez, c'est Total qui vient découvrir pour vous, ainsi de suite. C'est terminé. Vous prenez le cas, par exemple, du Cameroun. Nous avons développé, avec la SNH, des capacités et des compétences importantes qui nous permettent aujourd'hui, en réalité, de situer l'État. N'est-ce pas, des richesses minières, des gisements, ainsi de suite. C'est la même chose. Vous voyez l'activité du ministère des Mines dans tous les pays. Vous prenez la Sonatrach en Algérie, qui aujourd'hui détient un know-how, n'est-ce pas, extrêmement important. Et ces choses-là font que le seul moyen pour eux de contrer va être effectivement de casser nos États, complètement, de les casser. De les casser complètement en utilisant des mercenaires. Ils vont faire en telle sorte que nous n'ayons plus la latitude de travailler pour exploiter ces gisements, parce qu'on va vous déclarer, ah, en Balam, il y a une rébellion en Balam, on ne peut plus exploiter le fer. On va vous déclarer, ah, le nord du Mali, c'est impossible, on ne peut plus. Mais, croyez-moi, la récomposition du monde, l'ordonnancement de nouveaux rapports de force, sont tellement forts aujourd'hui qu'en réalité, les puissances d'hier, armées du discours et des méthodes néocoloniales et impérialistes, qui ont construit l'abêtissement, l'anéantissement, la marginalisation et l'exploitation éhontée de beaucoup de peuples du Sud, en réalité, sont en déroute. Ces puissances-là ne tiendront pas, en réalité, parce que la bataille va être rude. Pourquoi? Parce que dans le grand sud d'hier, ce qu'on appelait le tiers-monde colonisé, oppressé d'hier, émergent aujourd'hui des puissances qui sont en mesure de développer des technologies et de maîtriser les axes, n'est-ce pas, de production industrielle et de construction en réalité de nouvelles normes de raisonnement institutionnel et de nouvelles normes de travail qui vont défier tout ce que les autres nous ont imposé pendant longtemps. Vous prenez le Brésil, je prends le domaine aéronautique, Embraer, en réalité, concurrence aujourd'hui, Boeing et Boeing et Airbus. Vous allez prendre la Turquie et vous allez prendre tous ces nouveaux pays. Il y a 20 ans, on ne connaissait pas la Turquie. Aujourd'hui, 80% des commerçants en Afrique vont en Turquie, vont en Chine, ainsi de suite. Donc là, je peux vous dire, vraiment, préparez-vous, préparons-nous. La lutte va être extrêmement dure. Ce qui vient de se passer au nord du Mali, ce qui se joue avec la Confédération des États du Sahel, touche toute l'Afrique et engage le destin de l'Afrique. Madame, monsieur, nous allons prendre cette petite transition et nous nous retrouvons juste après pour la seconde et dernière partie de cet entretien. Ne zappez pas, tout de suite.
ou Africa TV, au-delà des idées reçues. De retour sur ce plateau, pour ceux qui prennent le programme à l'instant, nous discutons de cette rupture diplomatique entre le Mali et l'Ukraine, et bien sûr entre l'Ukraine et le Niger. On s'interroge justement sur l'avenir de ces rapports entre, pour le sort de l'Alliance des États du Sahel, de l'Afrique et même du monde en général. Professeur, est-ce qu'il faut craindre une fragilisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Ah mais non, plutôt un renforcement. Ouais. Vous savez, on n'est pas en 1960, hein, même pas en 70. Hein, à l'époque où les quelques mouvements de libération qui existaient se débattaient complètement dans l'anonymat, dans l'obscurité et dans le délaissement absolu. Non. Aujourd'hui, nous parlons d'État. Nous ne parlons plus de mouvement de libération. Nous parlons d'État. Un. Nous parlons d'État. Deux. Dans un contexte où il y a une maturation, n'est-ce pas, de l'intelligence ou des intelligences africaines. C'est vrai, les élites sont globalement, la plupart du temps, corrompues, extraverties, tournées vers, oui, on comprendrait, la plupart sortent d'où ? De la brousse, des champs de manioc, des champs de bananes plantains, de petites cases au village. Beaucoup découvrent simplement la ville aujourd'hui où les grosses voitures, les jolis costumes, les voyages en première classe. C'est vrai, mais simplement, cette élite-là est très minoritaire. Il existe une réelle conscience africaine portée par des masses, en partie abandonnées, tous ceux qui sont sortis des écoles, tous ces diplômés sans argent, sans travail et tout, mais dont la conscience se forme, se valorise et se cristallise beaucoup plus vite et beaucoup plus radicalement sur un certain panafricanisme, développant leur dignité, développant d'ailleurs une quête de crédibilité de toutes les anthropologies de leurs valeurs. Ça, c'est ça qui porte aujourd'hui. On n'est pas en 60, on n'est pas en 70. Ces États-là, contrairement à ce qu'on en a connu avec quelques expériences, comme les expériences de Sankara, vous savez, Sankara, à l'époque, c'est encore une voie dans le désert. Ne parlons pas de Lumumba, si vous voulez, qui prend la parole pour rappeler au roi belge que le Congo a été indépendant, pas à cause de la volonté des Belges, mais parce que les Congolais l'ont voulu, se sont battus pour cela. On l'a liquidé très très vite. Aujourd'hui, les choses se présentent différemment, si vous voulez. Ces États-là vont résister. Croyez-moi, cette confédération va être portée par toute l'Afrique. Croyez-moi, c'est extrêmement important. Il faut pas, si on parle de bandes de mercenaires que l'on envoie au Nord Mali, et avec des conseillers français, américains, belges, allemands, tout ce que vous voulez, bah, n'écartez pas la possibilité aujourd'hui que des brigades panafricanistes se retrouvent en train de combattre au Mali. Ça, c'est une éventualité qui va absolument, n'est-ce pas, ça se dessine même déjà. Vous allez avoir des Africains venant du monde entier pour aller lutter au Sahel, au Burkina, au Niger. Donc, la tentation est grande, si vous voulez. Et puis la réplique, comme on dit bien souvent, porter la guerre dans la cour de l'ennemi, de l'adversaire, aujourd'hui est devenue extrêmement facile parce que le brassage humain, un brassage considérable, un brassage inéluctable d'ailleurs, fait aujourd'hui que le pays qui va se lever avec un discours de xénophobie risque d'avoir dans sa propre sur la table de son propre dirigeant des bombes ou devant son bureau des manifestations monstres. D'ailleurs, quand je parle de ce brassage-là, il n'existe plus en réalité des nationalités intégrales, pures, originales, n'est-ce pas, dans le monde. Regardez tout ce qui est dit de Kamala Harris. Les républicains maintenant disent que c'est une indienne qui se dit noire, ainsi de suite. En fait, ils n'ont aucune démonstration. Même celui qui se dit français de la peau blanche n'a pas la réelle démonstration de ce que, dans son corps, dans son ADN, il n'y a pas un gène africain. Il n'y a pas quelque chose qui soit grec, malien,
turc ou brésilien. Ça, c'est très important. Et vous ne contrôlez pas tout ça aujourd'hui. Vous savez pas absolument qui est qui. Donc, quand vous vous levez et que vous lancez aujourd'hui des vendettas contre des États, des peuples qui ont décidé de redimensionner, d'opérationnaliser leur dignité, je crois que vous faites vraiment fausse route. Les gens ne resteront pas les bras croisés, parce que l'ennemi peut être votre propre secrétaire, n'est-ce pas, qui a une lointaine relation avec un Africain, avec un Malien, ou votre propre garde du corps, n'est-ce pas, qui, dont le sang, lui seul peut-être le saurait, le sait, qui a un sang camerounais ou ougandais ou encore je sais pas quoi, même chinois. Donc non, pas du tout. Étouffer, ébranler, affaiblir, je ne crois pas. Les temps ont changé, c'est pas la même chose. C'est comme on parlait en parlant de Gaza. Écoutez, il s'agit pas de liquider un chef palestinien. Vous ne liquiderez jamais toute l'identité palestinienne, c'est impossible. Dans l'armée israélienne même, il y a des gens qui ont des gènes palestiniens, et ainsi de suite partout. Donc, les peuples aujourd'hui se tiennent et elles ont l'obligation de se soutenir. C'est pour cela que, malgré tout, vous comprenez, ceux qui ont une bonne expérience des affaires internationales et des rapports de la nation disent, n'importe comment, la négociation, la médiation et le dialogue doivent triompher. Pour rien au monde, les gens ne seront jamais fragilisés ou définitivement compromis dans la quête de leur dignité. Pour ça, parlons de l'Ukraine. Comment comprendre qu'un État qui, ouvertement, parce que c'est un conflit déjà ouvert, ouvertement enflamme le terrorisme international et est soutenu par l'Occident? C'est une question à double volet. Et la communauté internationale? Communauté internationale, laissez tout ça. Je me suis déjà prononcé à propos des Jeux Olympiques qui sont en fait des Jeux de l'Occident, n'est-ce pas? C'est une centaine de disciplines. Eux seuls savent que, ils savent bien que 99% des disciplines, c'est eux seuls qui peuvent en réalité compétir ou concourir. Après, bon, on est premier dans le monde entier du sport. Basta. Gros mensonge, comme ils en ont l'habitude. Alors, l'Ukraine, je vous l'ai dit tantôt, l'Ukraine, c'est quelque chose. L'Ukraine, c'est une construction chimérique. Vous connaissez très bien d'où les origines de la guerre actuelle. Hein, c'est l'Ukraine, c'est le produit d'un coup d'État. Hein, le régime actuel, qui d'ailleurs n'a plus de légitimité, son mandat est terminé. Cet homme de théâtre là, qui est vraiment théâtral dans tout ce qu'il fait, le Zelensky. L'Ukraine, en 2014, la CIA a orchestré le renversement, un coup d'État. On a renversé un gouvernement démocratiquement élu. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais, j'ai vu certains qui, beaucoup de Camerounais savent même pas ce qu'on appelle révolution orange. Parce que beaucoup se sont mis à penser que c'était en fait, fallait s'accrocher à un mouvement orange. C'est des conneries, si vous voulez. C'est le symbole d'un déni de démocratie en réalité. On a renversé un gouvernement légitimement élu en Ukraine en 2014 pour installer un régime antidémocratique qu'est-ce que ce régime a fait? D'abord, éliminer tout ce qui était russe, oppresser les populations russes, développer beaucoup de choses. On a essayé de négocier la paix à ce moment-là pour viabiliser toute la sous-région, pour refaire la relation entre une relation normale entre la Russie et l'Ukraine. Vous êtes au courant aujourd'hui. Angela Merkel, puis Hollande. C'est une honte. Voilà des grands dirigeants qui déclarent ouvertement qu'ils ont menti, qu'ils ont rusé, qu'ils ont fait des accords avec un secret de guerre derrière. Merkel et Hollande l'ont dit ouvertement. Notre objectif, c'était de tromper la Russie pour prendre le temps d'armer l'Ukraine. Ils l'ont dit, les gens doivent le savoir. Voilà la réalité. Voilà l'origine de cette guerre. Et l'objectif, c'était d'utiliser l'Ukraine comme un pistolet sur la joue de la Russie. Hein? Construire des bases en Ukraine aux frontières de la Russie, comme on avait déjà fait dans les ex-États, n'est-ce pas, du pacte de Varsovie, mettre des bases partout et puis éventuellement
fomenter des troupes et détruire à terme la Russie. C'était ça la réalité. La réaction de Poutine a été, elle est même venue tardivement, parce que des accords avaient été faits, conclus, pour que les populations russophones, en réalité, demeurent en paix. Ils ont rompu tous ces accords-là, parce que leur objectif, ce n'était pas la paix. En réalité, leur objectif, c'était de préparer le terrain pour détruire la Russie. Vous savez, personne ne peut accepter ça. Donc l'Ukraine, c'est quoi? L'Ukraine, c'est, comme on dit, ce que l'Occident a toujours voulu faire de l'État d'Israël. C'est une tête de pont avancée d'agression, au détriment du peuple juif d'ailleurs, que je respecte beaucoup, dont je soutiens l'existence et le combat pour exister en tant que peuple juif. Parce que historiquement, ils ont beaucoup souffert. Mais, comme avait dit Ebonga Soele, n'est-ce pas, avoir souffert ne donne pas le droit de faire souffrir les Palestiniens. Autres. Vous comprenez? Donc, objectivement, laissez tomber cette histoire d'Ukraine. C'est un, comment dire, un potiche. Hein, c'est une grosse connerie. Cet individu, qu'on appelle Zelensky, sera traduit devant une cour martiale par un vrai régime. Authentiquement démocratique, légitimiste ukrainien, ça va pas traîner, ça va pas tarder. Parce que vous pouvez pas admettre qu'un dirigeant comme ça, en train de faire tuer tout son pays, détruire tout, parce qu'il obéit aux intérêts américains, parce qu'il obéit aux intérêts occidentaux. L'Ukraine, c'est une mouche par rapport à la Russie, dont la guerre qui y est menée, c'est l'OTAN, et qui est d'ailleurs en train de perdre cette guerre-là, en fait. Poutine l'a dit, le président de la Douma russe l'a dit, personne ne peut battre la Russie ici, n'est-ce pas? Donald Trump l'a dit, attendez, vous allez en guerre contre la Russie, vous ne connaissez pas l'histoire, ils ont battu Bonaparte, ils ont battu Hitler, et vous pensez que vaincre la Russie, c'est une folie. Donc en réalité, c'est une guerre avec des facettes où l'Ukraine est simplement utilisée pour les marchands de canons, pour des stratégies perdues, obsolètes, du gouvernement américain qui veut absolument se mettre aux frontières de la Russie pour attaquer la Russie. Voilà la réalité. L'Ukraine, je vous le dis, l'Ukraine, c'est rien du tout. Ce qui existait encore en termes d'Ukraine, en réalité aujourd'hui, c'est zéro. Et vous m'avez parlé au départ d'antécédents. Entre le Mali et l'Ukraine. Bah, il n'y en a pas, ni entre le Mali et l'Ukraine, ni entre l'Afrique et l'Ukraine. C'est une excroissance. D'une excroissance des conneries. Voilà la réalité. Et j'entends quelques individus gloser autour, n'est-ce pas, brocarder des choses. Mais non, il faut revenir à des choses, à des réalités plus élémentaires. Ce sont des réalités choquantes, mais malheureusement, c'est cela. On est très embêté de voir tous ces villages ukrainiens dévastés par la guerre et tout, des immeubles effondrés. Bah, vous voyez les mêmes choses un peu partout quand des gens ont commis des folies. C'est dommage, à cause d'un individu qui est devenu une pièce de théâtre entre les mains des Américains. C'est terrible. Macron, lui, il est assis dans son bureau. Il dit, on va combattre, on va aider l'Ukraine. Macron n'est pas en Ukraine. C'est le peuple ukrainien qui souffre. Vous envoyez quelques bricoles de 10 chars, 20 avions contre la première armée mécanisée au monde. Vous attendez à quoi? C'est juste un trouble passager. Donc, laissez tomber cette histoire d'Ukraine. Ça, c'est très important. L'Ukraine n'est même pas un État terroriste, si vous voulez. L'Ukraine, c'est la nouvelle main du terrorisme occidental dans le monde. Je vous ai parlé tantôt du livre que je viens de mettre en route. On fonctionne sur des agrégats géopolitiques et géostratégiques qui, en réalité, constituent ce qu'on pourrait appeler les éléments d'un crime international impardonnable. Professeur, vous avez parlé de l'Union africaine tout à l'heure. Quelle peut être sa part de responsabilité dans ce conflit? Non, pas de responsabilité, non. En quoi est-ce que et pourquoi l'Union africaine serait-elle responsable? Nous avons globalement la voie la plus nombreuse en termes de quantité, de nombre d'États dans les instances internationales, universelles, particulièrement au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Quand il faut voter, en réalité, les États ne votent plus. En bloc, hein, et ça me paraît clair, on le faisait
quand c'était des questions qui touchaient fondamentalement la libération de l'Afrique, l'apartheid, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec les vicissitudes géopolitiques et la confrontation des intérêts, vous savez que tous les États africains ne sont pas à la même enseigne dès lors qu'il faut mesurer leurs influences et leurs capacités d'interférence en fonction des relations géopolitiques. Et ces relations géopolitiques et géostratégiques sont construites sur leur passé colonial et leur présent néocolonial. Donc, pour raconter des histoires, pendant longtemps et sans doute jusqu'à aujourd'hui, certains États africains, pour voter aux Nations Unies, ont besoin de savoir comment vote la France ou comment votera les États-Unis. Ils prennent carrément des instructions, si vous voulez. On ne dirait même pas des recommandations, ce sont des instructions. Mais ça change et ça diminue. C'est tout vous dire, si vous prenez la question du Sahara occidental, l'Afrique n'a pas une voix unique, si vous voulez. La France, par exemple, vient de pratiquement de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Posez-vous la question, que fait l'Union africaine? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la situation de cette question au sein de l'Union africaine? Et vous découvrirez énormément, vous allez vous casser la tête sur beaucoup de choses. Il demeure néanmoins que sur cette question précise, l'Union africaine a condamné, mais fermement, l'action de l'Ukraine, la déclaration de l'Ukraine, qui est pratiquement... Écoutez, mais les gens nous respectent même pas. – C'est une déclaration ouverte, mais ils avouent ouvertement. – Les gens ne nous respectent même pas. Et parfois, j'ai même honte. C'est une catastrophe. Je continue à me demander pourquoi les Africains montent en masse dans les avions pour aller en Europe. C'est une honte, parce qu'on vous regarde comme des singes, en réalité, en cage. Voilà un pays qui... Je regrette rien du tout par rapport à certaines puissances qui émergent déjà en Afrique, qui ouvertement déclarent que nous sommes derrière des attaques terroristes contre un État souverain africain. Ouvertement. Et ce pays a une ambassade ou des ambassades dans quelques pays africains. Et on ne réagit pas. L'Ukraine ou Sénégal, par exemple. On ne réagit pas. On aurait dû tout de suite fermer tout ce qu'ils ont comme structure en Afrique. Et je peux même vous dire que l'Ukraine, en réalité, n'a pas des ambassades en Afrique. Ce qu'on appelle ambassade Ukraine en Afrique, ce sont des bureaux entretenus par les États-Unis et la France. Vous comprenez? Un peu comme avant, certains pays du camp socialiste entretenaient des petites chambres pour les mouvements de libération des pays africains qui étaient encore sous le joug colonial. Voilà, en réalité, on les projette au-devant pour faire ombrage, pour dire c'est l'Ukraine, l'Ukraine. Attendez, ils sont incapables aujourd'hui d'acheter un pistolet. On dit l'Ukraine a donné les renseignements. Ou l'Ukraine a donné quoi? C'est rien du tout. La vérité, c'est que la France et les États-Unis ne sont pas partis, sont en train de se reconstituer dans quelques États environnants pour essayer de semer le désordre contre la Confédération des États, n'est-ce pas, du Sahel. Voilà la réalité. Laissez tomber l'histoire de l'Ukraine. Posez-vous la question, que veut l'OTAN? Que veulent la France et les États-Unis en Afrique? Et vous comprendrez, ces pays veulent se venger parce qu'on les a mis dehors. Ils veulent revenir par la petite fenêtre en utilisant des bandits qui ne sont pas en réalité de vrais bandits, qui sont eux-mêmes masqués pour venir semer le trouble. Voilà la réalité. – Dernière question pour Sœur, mais restons sur la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Quelles précautions ces différents États peuvent prendre pour éviter cette situation, ces genres de situations à l'avenir ?– Mais vous savez, vous parlez des précautions. D'abord, j'insiste sur le fait qu'en réalité, nous sommes tous condamnés à coopérer. Nous vivons sur la même planète. Les États se font la guerre, les États se contredisent, se combattent, s'affrontent, mais simplement, le principe de la coopération internationale et des relations diplomatiques demeure la seule voie de salut pour la préservation de la paix dans le monde. Parce que les peuples ne se séparent pas, les peuples travaillent ensemble. D'ailleurs, la preuve, tous les brassages qui existent. Et s'il fallait vous donner une assurance, c'est par exemple, le dernier échange
n'est-ce pas, des prisonniers entre l'Occident et la Russie. Ça veut dire que, quel que soit le cas, les couloirs diplomatiques, les axes des négociations et des dialogues ne sont jamais entièrement fermés. Alors, dans le cas d'espèce, on s'est levé un matin, on a fait un constat, vous étiez là, pendant longtemps, c'était pour combattre le terrorisme, ainsi de suite. Notre propre analyse aujourd'hui montre que vous n'avez pas fait le boulot, vous avez fait même l'inverse. Nous ne voulons plus de vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on se parlera plus jamais. Ensuite, si vous êtes dirigeant d'un pays, laissons d'ailleurs d'un pays, d'une famille, et que vous avez un problème avec le voisin, la première chose, c'est de créer un consensus, une certaine unité à l'intérieur de votre propre famille pour être suffisamment fort, n'est-ce pas ? Ça vous permet de parler en confiance, d'agir en toute sérénité. Alors, que disons-nous dans le cas des pays, n'est-ce pas, la Confédération du Sahel ? Aussi simple que ça, il faut prendre des dispositions pour se structurer solidement sur le plan intérieur, avec une population suffisamment politisée sur la base d'idéologies et de doctrines réellement nationalistes, mais également avec une pratique de gouvernance qui soit approuvée par les populations. Si vous n'êtes pas approuvé par les populations, tout ce que vous faites à l'international est voué à l'échec ou en réalité est entaché de défaillances que vous pouvez sans doute ne jamais rattraper. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il faut faire assez attention. Dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, c'est bien des changements même violents, même avec des militaires, mais très souvent, à quelle fin ? Pour quel résultat ? Avec qui ? Et comment mettre tout ça en place ? Des dictateurs peuvent naître de personnes qui disaient lutter contre la dictature, n'est-ce pas ? Des dictateurs sont souvent apparus dans des personnes qui portaient un discours nationaliste et panafricaniste. Et pour cela, il faut faire assez attention. Parce que chaque fois qu'on échoue, chaque fois qu'on fait l'inverse, c'est une porte ouverte pour les détracteurs, pour tous ceux qui voient d'un très mauvais œil votre dignité, votre lutte pour l'indépendance réelle, votre lutte pour une économie souveraine. Les États du Sahel, très bien. On va changer les axes de la coopération, les partenaires et tout, on revoit tout, on redimensionne tout, mais au fond, l'important demeure leur peuple. Les peuples doivent pouvoir approuver, être impliqués, être associés, comprendre très bien la mécanique idéologique pour que cette gouvernance-là réussisse à s'imposer comme un modèle. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on peut mieux affronter les ennemis de l'extérieur. Et si les failles sont importantes, les ennemis de l'extérieur exploiteront ces failles-là. Cela veut dire que on prend des bonnes dispositions pour être fort à l'intérieur et ensuite on fait bien comprendre aux populations ce qu'on est en train de faire. On respecte ces populations-là. Et à ce moment-là, on peut effectivement rêver d'une défense solide. On peut rêver d'une préservation de nos intérêts nationaux dans un sens qui ne soit pas en réalité démagogique. Parce que dans les changements, dans les discours pour le changement ou les pratiques pour le changement, parfois la démagogie l'emporte. Et c'est là le danger. Merci infiniment pour ça. Je vous en prie. Madame, Monsieur, restez en compagnie des programmes de Wafrica TV. Disons-nous à très bientôt pour une nouvelle édition.